La Cour suprême du Sénégal a cassé vendredi un jugement qui remettait l'opposant emprisonné Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de février 2024, précisant que l'affaire allait être rejugée. Puisque nous reviendrons dans quelques jours, à Dakar, et le tribunal d'instance de Dakar aura à se prononcer à nouveau au lieu et place du juge de Ziguinchor sur la pertinence de la démarche initiée par notre client qui ne demande qu'une seule chose, sa réintégration dans les listes électorales dans la mesure où le motif de sa radiation ne repose pas sur le droit, mais sur une volonté politique qui est affichée depuis janvier 2021 de l'éliminer sur la scène politique sénégalaise. Le mois dernier, le tribunal de Ziguinchor, la ville dont Sonko est le maire depuis 2022, avait annulé la radiation de l'opposant des listes électorales, rendant possible sa candidature à la présidentielle de février 2024, dont il serait l'un des principaux candidats. Mais l'État avait fait appel de cette décision. On a gagné ce matin, on a gagné dans l'après-midi. On a désavoué le juge de Ziguinchor. La vérité a triomphé. Vive la vérité. Le bras de fer de Sonko avec l'État dans plusieurs affaires politico-judiciaires tient le Sénégal en haleine depuis 2 ans et demi et a déclenché les troubles les plus meurtriers depuis des années dans le pays. Ses discours souverainistes et panafricanistes lui valent une forte adhésion chez les moins de 20 ans, qui représentent la moitié de la population.